Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle, exactement nous partons en Belgique et nous allons voir LVC. LVC qu'est-ce que c'est? C'est le fabricant de cette petite box, la Bulldog. Alors c'est une box BF, simple à cul, mais ça je vais pas trop en dire sinon en gros plan on verra pas trop, enfin on perdra un petit peu la surprise. Donc comme d'habitude on va aller se voir en gros plan, on va aller voir la box, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la box, et après on se fera en plan large pour voir un peu ses spécificités, son petit plaisir, et puis voir surtout comment ça va. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors elle est fournie dans une petite pochette, c'est simple mais très efficace. Donc la pochette on va la mettre de côté. Donc voici un peu ses spécificités. Alors comme vous avez pu voir, je vous ai mis, avant de passer en gros plan, les différentes couleurs de capot qu'il peut y avoir, entre autres, les différentes couleurs de box. Moi j'ai pris celle-ci pour une simple et bonne raison, c'est que... regardez, on voit tellement bien qu'on arrive à me voir à travers, c'est pas génial. Vous pouvez voir que les box pourront avoir plusieurs couleurs. Donc on va faire un petit peu le tour. Moi j'ai pris cette couleur-ci parce que tout simplement on va aller positionner ça avec un petit pétri, avec la base et la porte. Moi je trouve que ça fait super. Donc hop, on ouvre un petit peu l'intérieur. Donc on peut voir à l'intérieur que nous avons la place pour un AQ 18650. Nous avons une bouteille qui est fournie avec. Vous verrez la durite, si on peut dire, le petit tuyau de la bouteille n'est pas coupé à dimension. C'est un choix du modeur, tout simplement, il y en a qui préfèrent que le petit tube aille au fond ou aille pas au fond, donc ça sera coupé par vous-même, selon votre choix. Vous regarderez ici, il faudra bien regarder qu'au niveau du pin, la petite durite aille à ce niveau-là, aille pas beaucoup plus haut, sinon vous aurez des problèmes avec la petite lamelle. C'est lui qui m'a dit ça et qui m'a dit de le conseiller. Le switch est en laiton. Moi j'ai pris la version avec lamelle en argent. On est à 115€ avec la lamelle en argent. Et il y a une version à 90€ avec une lamelle en cuivre. Est-ce qu'on fait réellement la différence entre le cuivre et l'argent? Vraiment, faut être, je dirais plus qu'expérimenté pour voir vraiment si on fait vraiment une vraiment différence entre le cuivre et la lamelle argent. Moi je vous cache pas, j'avais un plaisir, je voulais vraiment prendre la lamelle argent. Donc c'est pour ça que j'ai pris la lamelle d'argent. Nous avons un Fat Daddy qui est plutôt bien pour le moment. Ça va faire plusieurs jours. J'ai pas de souci avec le Fat Daddy. J'ai pas de fuite. Tout est plutôt bien serré. Ça fait plutôt bien son job. Moi, ce que j'aime bien, c'est que celui-ci, en fait, on a un petit joint torique tout autour. Donc, en fait, ça évite plusieurs choses. Les fuites au niveau du Fat Daddy. Et aussi, ça permet d'éviter de rayer les drippers, ça j'aime bien. Donc le capot pour moi est plutôt bien fait. On voit que si on regarde bien en détail, on a des petits effets, je sais pas si on arrive à bien voir à la caméra, on a des petits effets un peu pailletés au niveau de la peinture, puisqu'il faut savoir que c'est des box qui sont faits en impression 3D et après à son peinte, et moi j'aime beaucoup la peinture. On voit qu'on peut avoir le logo LVC, la marque du modeur. Donc on va se mettre un petit dripper à l'intérieur. Dessus, on va monter un petit dripper. Bien sûr. Hop. Et voilà. Là, pour moi, ça, c'est une box qui envoie bien. Je suis pas nécessairement excessivement bas. Exactement, je suis à 0,33 ohms avec. Et voilà. Ça, là, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus que ça. Le skunk marche bien. Donc, dès que je vais appuyer, hop, je vois, j'appuie à peine. Voilà. Et ça arrive tout de suite. Je vais mettre la petite porte, hein, c'est quand même mieux de voir l'ensemble. J'ai mis quelques petites gouttelettes. Voilà. Hop, je vais essuyer un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup sa tête. Voilà, moi je trouve que ça fait un setup assez classe, le tout ensemble.
Alors, il y en a qui vont dire oui, je suis pas fan de la goutte ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas désagréable. Au moins, j'arrive largement à passer mon pouce à l'intérieur. Je sais que j'ai des gros doigts et moi, j'aime plutôt bien. Après, je sais qu'il va faire quelques petites modifications. Mais en fait, par rapport au premier batch, toutes les modifications seront faites. Vous inquiétez pas. Donc, voilà. Allez, on va se voir en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Donc, nous voilà en plan large. Alors, c'est quand même un setup qui est relativement assez petit. La box est vraiment petite. Mais ça, c'est top. Ça rentre bien dans la main. Le switch se positionne tout de suite. Voilà, on l'a tout de suite en main. Et je pense que surtout, ce qu'on veut voir, c'est voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, je suis à 0,33 ohms en nichrome, en RNi80. C'est pas excessivement bas pour un AQ. Et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus que on a une très bonne conductivité. Pourquoi ? Parce que la lamelle est relativement très épaisse. Du coup, on gagne au niveau de conductivité. Du coup, ça va jouer un petit peu sur le switch. Il est un tout petit peu raide, mais avec le temps, moi, ça va faire, comme je vous disais, 2-3 jours que je l'ai, et je sens quand même qu'il commence à devenir beaucoup plus souple. Voilà, j'ai vraiment un plaisir. Alors, voilà, je dirais juste merci. Pourquoi ? Ça m'a réconcilié avec le BF. J'avais fait des tentatives au niveau du BF. J'avais rien trouvé qui m'allait au niveau des box électro. Non, il n'y avait rien qui me branchait. Je sais pas. Voilà, là, ça m'a réconcilié. Ça, je kiffe. Comme je disais souvent sur le BF, le problème c'est qu'on se trimballe avec des accus. Je pensais devoir me trimballer avec une dizaine d'accus. En fait, non. Vu comme on a une très bonne conductivité, j'utilise à peu près 2 accus par jour. 2 accus par jour, sachant que je vide à peu près 3 fioles. 3 fioles à l'intérieur. Ouais, ça reste correct. Ça reste correct. En plus, c'est un modeur qu'on peut avoir très facilement sur Internet. Si vous avez des questions, il vous répond tout de suite. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais ? Oui, énormément. Vous allez me dire, certains vont dire que ça fait un certain prix. Je suis d'accord. Mais par contre, au niveau de la qualité de vape, le tarif à laquelle elle est proposée, je trouve ça vraiment très correct. Voilà, je vous dirais, bah, foncez, allez-y. Et faites-vous plaisir, moi je vous cache pas, le setup, je le lâche plus. Et je me fais un vrai griff avec. De toute façon, tout simplement, ça doit se ressentir dans la vidéo parce que j'ai un vrai plaisir à la présenter, cette box. Au niveau du capot, voilà, je fais juste... Le capot est bien flush, il bouge pas. Sur certaines box que j'ai pu tester, pareil, les capots souvent ceux-là. Il y avait une finition à faire, et là je dis bravo, le capot ne bouge pas, ne s'enlève pas. Petite astuce pour enlever la queue, des fois il peut être un petit peu compliqué de l'enlever comme ça, on n'y arrive pas. Moi je tape comme ceci derrière la box, vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout démonter, et la queue va s'enlever relativement assez facilement. Il n'y a pas besoin de mettre de scotch ou quoi que ce soit autour, c'est juste cette petite astuce là. Au niveau défaut, est-ce que je peux trouver des défauts? J'en trouve pas. Je suis désolé, c'est pas que je suis pas objectif ou quoi que ce soit. Je trouve pas de défauts vraiment rédhibitoires sur la box ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est point positif, c'est la conductivité. La bouteille de skunk, la goutte, que j'apprécie plutôt bien. Donc voilà, c'est juste ce que je peux dire. C'est mon petit retour sur cette box BF que j'ai un grand plaisir à présenter. Si vous avez des questions, ça sera avec un grand plaisir que je vous y répondrai. En bas, je vais vous mettre le lien du groupe, si vous voulez l'avoir. Je sais, enfin, j'en dis pas plus, vous pourrez sûrement très bientôt la retrouver facilement en shop ou quoi que ce soit. Mais je vous mets quand même le lien du groupe. Normalement, il y a un prochain batch qui va être fait ce week-end, pour début janvier. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Allez, salut à tous !
Oh, my God.